Salut à tous, bienvenue sur Geek Gaming CH, c'est Boomer qui vous parle et j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Car aujourd'hui, on a une petite mise à jour, ou presque une grosse on peut dire, sur Flight Simulator 2020, qui est en date du 14 novembre. Alors, dans cette mise à jour, il nous parle un peu déjà du X09, c'est un événement où ils seront présents à Londres. Voilà, et il nous parle surtout des différents partenariats qu'ils ont fait avec les constructeurs d'avions. Donc là, il y a déjà une première, ils dévoilent déjà une première partie, donc c'est pas fini, hein, ils vont en annoncer d'autres. On a déjà ici par ordre alphabétique, donc on a Airbus, on a Boeing, on a Cupcrafter, on a Daher, Diamond Aircraft Industries, Icon Aircraft, Robin Aircraft et Textron Aviation. Voilà, donc ça c'est vraiment déjà les premiers et ils vont en annoncer d'autres plus tard, c'est pas fini. Ils disent vraiment qu'ils vont mettre beaucoup plus d'avions que ce qu'il y avait dans les anciennes versions de Flight Simulator. Donc ça c'est plutôt réjouissant. Voilà, donc ça c'est pour la partie ici ouverte. Ensuite on a la page Insider ici, où là on a le trailer donc, qui est accessible à tout le monde sur YouTube. Hein. Là il n'y a rien de confidentiel ou quoi que ce soit. Et on a aussi de nouvelles images. Donc vous voyez ici, donc il y a de nouvelles images qui sont pour la plupart reprises du trailer, de la vidéo. Donc on va regarder tout de suite ensemble. D'ailleurs, je vais me taire. J'allais dire, je vais me la fermer, mais je vais me la fermer. Oui, on va tous regarder la vidéo ensemble, sans commentaire, bien sûr. Et on se retrouve tout de suite après pour en discuter un petit peu. Voilà, allons-y les gars. À tout de suite. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez, personnellement à chaque vidéo je suis toujours plus époustouflé on peut dire, parce que c'est vraiment hallucinant je trouve, enfin les effets, les avions sont super bien faits, alors je me réjouis de voir un peu comment ils font l'intégration aussi des fonctionnalités dans le cockpit, qui sera d'ailleurs la prochaine vidéo, enfin alors d'abord on aura l'aérodynamique, après on aura tout ce qui est cockpit, ça va être hyper intéressant de voir. J'espère qu'il y aura quand même beaucoup de fonctionnalités dans le cockpit. Alors, on s'attend pas forcément à un cockpit aussi fonctionnel que dans les add-ons qu'on a aujourd'hui dans X-Plane ou Flight Simulator. Mais quand même, j'espère qu'ils auront quand même un peu poussé le truc un peu plus loin que ce qu'on avait dans le simulateur de base Flight Simulator X, par exemple. Sinon, dans la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit déjà qu'on aura un Cessna Citation CJ4. Donc l'avion privé, ça c'est plutôt cool. On aura bien sûr le Boeing 747-8, ça c'est vraiment cool aussi. L'Airbus A320neo, ça on l'avait déjà vu dans une des premières vidéos. Le TBM 930 aussi, etc. Donc ça c'est des avions qu'on a déjà vus avant. Après au niveau un peu des effets, alors on voit sur le 747 et sur le TBM 930 qu'il y a donc un effet de chaleur qui sort des réacteurs ou des échappements du turbopropulseur.
Ça, c'est vraiment joli. Donc, ce que X-Plane avait déjà, mais X-Plane était un peu surfait, je trouve. Alors, on verra si là c'est plus réaliste. Ça a l'air pas mal en tout cas. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit qu'il y a le Uluru ou le Ayers Rock en Australie. Donc, ça, c'est au niveau du paysage. Et alors, il y a plein d'autres choses. Hein. J'ai pas toujours tout réussi à identifier. Et bien sûr, il y a New York et des villes qu'on a déjà vues dans d'autres vidéos. Donc moi je trouve ça vraiment cool, ça continue, on voit que c'est vraiment, ils poussent le truc vraiment à fond, les effets sont magnifiques, on a l'impression, c'est presque un film je trouve, c'est superbe. Alors voilà les amis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, si vous avez vu d'autres choses que je n'ai pas vues bien sûr, alors je ne vois pas forcément tout, hein. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires ce que vous voyez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, si vous voulez voir les prochaines updates. La prochaine vidéo sera probablement sur l'aérodynamique, donc. Checkez mes réseaux sociaux, tout est dans la description. Vous trouverez les liens aussi pour la page officielle du site où je suis maintenant. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée ou nuit. Et à la prochaine, les gars. Allez, Boomer out. Bye bye.